Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui un peu spéciale car il s'agit du test, donc comme vous l'avez pu le voir, de l'Aerodrums qui est le tout premier vrai système de Air Midi. Alors je veux orienter ce test plutôt sous une forme de pour et de contre. Alors laissez-moi prendre mes notes parce que j'ai besoin de notes. Donc pour tout d'abord, évidemment, forcément, le fait que ça ne fasse pas de bruit du tout. Donc ça, c'est vrai que les voisins et même la famille va apprécier si jamais vous êtes habitué à jouer sur une vraie batterie. Au bout d'un moment, ça peut apporter quelques soucis de voisinage ou dans la famille. Là, pas de bruit du tout, donc c'est vrai que c'est quand même le gros avantage de cet appareil. Un autre avantage aussi, c'est l'installation qui est très rapide. Il suffit d'installer le logiciel, d'installer les capteurs, les baguettes et les capteurs au pied. Quelques petits réglages, ça prend vraiment 2-3 mouvements et on peut tout de suite avoir accès à un échantillon de différents sets de batteries et jouer. Donc l'installation est très rapide. Les samples, alors ça c'est un très grand point fort de ce système là, c'est les samples sont de très bonne qualité. J'ai été très surpris quand j'ai commencé à l'utiliser. Je suis habitué à utiliser beaucoup de samples par rapport au logiciel, au resampling, des choses comme ça, mais là vraiment les samples qui sont fournis avec le logiciel sont vraiment d'une grande qualité, spécialement la caisse claire. La caisse claire est formidable. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort de ce logiciel. Le menu aussi est très bien fait parce que ça nous offre beaucoup d'options qu'on peut paramétrer. Par exemple, le déclenchement des samples, le volume de chaque sample, de chaque partie de la batterie peut vraiment être géré indépendamment. Placer son set aussi, il suffit de taper avec la baguette dans un menu pour pouvoir placer un tom ou une cymbale où on veut, vraiment créer son propre set. Le gros point fort aussi, c'est les seuils de vélocité qui sont vraiment bien respectés. C'est un bonheur, et la caisse claire, vraiment, on arrive à faire des pianissimo et des fortés. Vraiment très bien respecté, il y a vraiment beaucoup de seuils de vélocité pour chaque élément. Et la latence aussi, il y a vraiment quasiment zéro latence. On peut jouer en temps réel et on ne va pas subir cet effet latence qu'on pourrait avoir de temps en temps avec certains logiciels qu'on peut utiliser sur des séquenceurs, des choses comme ça. Là non, pas du tout, on la ressent vraiment pas. Ce qui est bien aussi en panneau logiciel, c'est que cet appareil est connecté. On va dire ça comme ça, on peut le connecter en MIDI sur votre séquenceur, sur Logic ou Cubase, selon le type de logiciel que vous utilisez. C'est assez simple aussi. Après, le paramétrage est un peu différent. Si vous voulez le connecter à Easy Drummer, Superior Drummer ou à Active Drums ou Contact ou celui que vous voulez d'ailleurs. Mais voilà, il y a possibilité de pouvoir le connecter en MIDI. Donc ça, c'est vraiment un plus si vous voulez utiliser d'autres sons que les sons qui sont fournis avec, le logiciel par lui-même. Et pour finir, les bons côtés de cet appareil, c'est le prix. Le prix, c'est vraiment très abordable. Ça va coûter dans les environs de 120€, je crois. C'est en commande uniquement sur Amazon. Et à ça, il faut rajouter, je crois, moins de 10€ pour une caméra, en fait, qui va vous filmer, donc la caméra PlayStation Eye, qui doit être dans les environs de 10€. Donc, pour environ 130€, vous avez le kit. Donc, c'est vraiment un investissement qui n'est pas très cher comparé à si vous achetiez une batterie électronique qui vaut 10 fois plus cher, voire plus. Donc, voilà pour les bons côtés. Maintenant, évidemment, je vais parler des mauvais côtés, parce qu'il y a toujours des mauvais côtés. Alors tout d'abord, paradoxalement, le fait de taper dans le vide, oui, forcément, je vous ai dit au début, taper dans le vide, c'est bien parce que ça nous permet d'éviter de faire du bruit. Mais le mauvais côté, c'est taper dans le vide, forcément, on est loin de la sensation qu'on peut avoir quand on joue avec une batterie. Donc c'est très déstabilisant au début, et d'ailleurs, je le déconseille aux débutants. Pourquoi ? Parce que quand on débute la batterie, il faut qu'on parte sur des bases solides au niveau de la technique. C'est-à-dire que la batterie, l'essence même de la technique en batterie, ça va être vraiment le travail du rebond et le contrôle du rebond. Vraiment s'approprier le rebond et l'effet que ça donne. Là, on n'aura pas du tout ça. Donc du coup, sans une technique au préalable, on va sûrement se tendre et jouer d'une manière, on va dire, empirique. On va très vite se faire mal au poignet, tendinite et tout ce qui s'ensuit. Donc je considère que cet appareil-là est plus dédié aux gens qui ont déjà une technique de batterie et qui peuvent adapter leur technique
en jouant en l'air. Je ne sais pas si ça a du sens, j'espère. Voilà. Donc oui, ce manque de rebond, ça limite énormément le jeu aussi. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à faire des plans ou des fils assez rapides ou assez fournis, ou même la coordination grosse caisse claire, il y a des choses qui passent pas. Parce que forcément, déjà, vous ne pourrez pas jouer des double strokes, vous ne pourrez pas faire des roulements. Parce que vous n'avez pas le rebond. Donc ça va limiter à certains points votre technique et votre jeu. Après, vous pouvez très bien jouer beaucoup de choses, mais il va falloir que vous mettiez de côté certaines choses que vous êtes habitué et que vous maîtrisez sur une batterie acoustique. Voilà. L'impossibilité aussi de jouer sur une surface solide, comme sur un pad par exemple. Les baguettes qui sont fournies, voilà, c'est celle-ci. Ce sont des baguettes très légères avec un type, en fait une olive qui est faite en polystyrène et par-dessus collée, c'est de la bande rétro-réfléchissante. C'est comme ça que ça marche. Donc j'ai essayé, si vous tapez sur un pad avec, en 3-4 coups, vous allez l'uriner votre truc. Donc c'est pas conseillé du tout. Voilà. Un autre point faible de cet appareil-là, c'est qu'il faut jouer dans un environnement assez sombre. Pourquoi ? Parce que la caméra qui vous filme, la caméra, la PlayStation Eye, détecte vos mouvements. Mais ce qu'elle détecte surtout, en fait, c'est donc ces bandes rétro-réfléchissantes. Et pour qu'elles aient vraiment de l'utilité, il va falloir que vous ajoutiez, qui est vendu donc avec le kit AirDrums, une espèce de lumière LED qui s'encastre, je vous le montrerai là. Voilà, de lumière LED qui s'encastre tout le long de l'objectif de la caméra et qui vous filme, ce qui permet donc d'avoir beaucoup plus de luminosité et de bien voir le mouvement des capteurs. Donc on a une espèce de lumière, c'est assez puissant quand même, hein, dans les yeux tout le temps qu'on joue. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux essayer d'éviter de mettre l'ordinateur plutôt de côté, de manière à pouvoir voir votre écran d'ordinateur à part de la caméra qui vous filme. Même s'il vous donne, je vais vous montrer, même s'il vous donne des petites lunettes, vous voyez, super, je les mettrai pas parce que je vais avoir l'air ridicule. Des petites lunettes pour pas se faire mal aux yeux. C'est quand même assez gênant. Voilà. Voilà, il y a aussi une autre difficulté, j'ai remarqué, c'est la difficulté de cibler les éléments de votre kit. Et vous avez peut-être dû l'entendre dans la vidéo que j'ai fait de test, hein, pendant que je jouais tout à l'heure. Des fois, je veux taper une cymbale, ben, j'y suis pas. Ou... Le problème, c'est qu'il faudrait toujours avoir les yeux rivés sur l'écran pour voir, en fait, parce que sur l'écran, donc, vous avez votre batterie vue du dessus et vos capteurs qui vous indiquent où vous êtes par rapport à l'espace. C'est un peu contraignant de toujours avoir regardé l'écran forcément, donc j'essaie moi de regarder dans le vide en m'imaginant où j'ai posté mes fûts. Et c'est vrai que des fois on loupe une cymbale ou un tom, ou des fois même en faisant un mouvement un peu trop grand sur la charlée, ça arrive en remontant un peu la baguette que le capteur déclenche un tom parce qu'il croit que vous tapez sur un tom. Donc ça fait partie des choses qui sont un peu désagréables, mais ce que je conseillerais, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai constitué un kit qui est vraiment très 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 restreint, c'est-à-dire un tom rack et un tom bass ride cymbal, parce que ça va être compliqué. J'ai essayé de monter un gros kit. Alors, au début, on a tous envie de faire ça, on met plein de fûts, plein de cymbales, mais le problème, c'est que l'espace de travail, si vous voulez, du cadre de la caméra n'est pas assez grand en fait pour pouvoir avoir une marge de manœuvre entre les fûts. Si vous voulez, quand vous allez taper un fût, vous allez être trop proche de l'autre, donc c'est un peu aléatoire. Des fois, vous allez taper un fût de 10 alors que c'est le fût de 12 qui va déclencher, ou même une cymbale. Je vous conseille de vraiment faire un kit plus restreint de manière à avoir une liberté de mouvement, quand même, de ne pas avoir à déclencher deux sons en même temps. Voilà, donc ça, c'est vraiment les principaux points faibles. Si je devais résumer maintenant, je dirais que c'est quand même un appareil qui est vachement bien conçu. C'est bluffant, hein. Il n'y a pas d'autre terme. Au début, quand on commence, il y a une sensation qui fait que c'est le contrôle aussi. Enfin, c'est un tout, il faut essayer, c'est bluffant. Et évidemment, les gens qui vont vous voir jouer au début, ils vont tomber la bouche. C'est quelque chose qui est... Ça a son effet. Après, je pense que ça peut être un instrument de pratique qui peut être bien dans le cadre où on veut travailler des choses lentes.
pas trop de coordination de mouvement rapide. Ça peut être aussi pareil si vous avez une répète à faire, vous voulez baisser le niveau sonore, donc vous utilisez ce système là et vous avez un répertoire qui est relativement cool, qui ne demande pas beaucoup beaucoup de notes à jouer, ou alors des tempos trop rapides, enfin des choses assez velues. Là ça passera très bien. Et puis c'est vrai que la facilité d'installation, si jamais un jour vous avez quelques morceaux à réviser viteuf avant un concert ou quelque chose comme ça, vous le branchez, ça prend moins de 2 minutes et vous pouvez réviser des morceaux, c'est quand même assez pratique. Voilà, après à vous de juger, vous dire ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Pour le prix, ça vaut quand même le coup d'en avoir un, de temps en temps c'est quand même agréable de le brancher et de jouer dans le vide en fait. Voilà. Donc j'espère que ce petit test vous aura plu et vous donnera une meilleure idée de l'appareil, donc Aerodrums, le premier Air MIDI Kit. Voilà. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi. Allez, ciao.